Le 6 janvier 1937, à Montréal, mourait le frère André Bessette, l'apôtre de Saint Joseph. Quand il a été canonisé par Benoît XVI il y a maintenant dix ans, sa fête fut fixée au 7 janvier à cause de la fête de l'Épiphanie le 6 janvier. Ce choix est intéressant parce qu'il nous dit le souci de l'Église que frère André est un rayonnement international. Chez nous, en France, l'Épiphanie n'est pas fêtée le 6 janvier exactement, elle est célébrée un dimanche, la fête est reportée au dimanche. Mais dans les pays où c'est encore le cas, on n'aurait pas pu fêter Frère André. Donc le choix du 7 janvier nous dit l'importance de ce saint. Vous savez qu'au jour de son enterrement, il y avait plus d'un million de personnes. Un million de personnes se sont déplacées pour son cortège funéraire. Or qui est-il Un portier. Vous savez qu'il était très pauvre, très humble, de santé très fragile, et que ses frères lui ont confié entre autres petits métiers, et il a fini par atterrir à la porterie du collège Notre-Dame et comme il aimait le dire, quand je suis arrivé au collège, on m'a mis à la porte, et j'y suis resté quarante ans. Et c'est là, debout derrière son petit bureau, que les gens défilaient pour confier leurs intentions. Et c'est ce qui est particulièrement intéressant pour nous, cette association de l'amour pour Saint Joseph, de la dévotion à Saint Joseph et d'un ministère de guérison. Il est midi », un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique-Joseph. Frère André avait une confiance indéfectible en Saint-Joseph. Et d'ailleurs il disait « c'est pas moi qui guéris, hein, c'est Saint-Joseph ». Sa seule fonction, ou la manière dont il se percevait, c'était simplement d'être le messager de Saint-Joseph. Lui tout ce qu'il disait c'est « allez à Joseph ». Allez à Joseph, priez Joseph, il ne vous laissera pas tomber en chemin. Et souvent d'ailleurs il y associait la Vierge Marie, hein. il disait, quand la Sainte Vierge et quand Saint Joseph intercèdent ensemble, ça pousse fort. Et donc il était là toute la journée à faire son, son travail, souvent il ne se détournait pas de ses tâches, il continuait à balayer tout en écoutant les gens, il les écoutait et puis il les réconfortait, il les envoyait vers Saint Joseph, dont il avait toujours une petite statue sur lui. C'est aussi un de ces traits d'humour que vous connaissez peut-être. On lui disait fais attention à ne pas devenir orgueilleux. Ses frères faisaient attention à son orgueil, peut-être mu par une secrète jalousie. Mais alors il sortait sa petite statue et disait vous inquiétez pas, j'ai saint Joseph dans la poche. Et puis il avait cette pratique de l'huile de saint Joseph, dont il frictionnait les membres ou les plaies des personnes qui lui étaient amenées. Cette huile a été suspectée de, de magie, de superstition. Mais lui il répondait clairement, il disait, mais non, ce n'est pas l'huile qui est importante, c'est la foi. C'est la foi que vous placez en Dieu, c'est la confiance que vous avez en Saint-Joseph qui est importante, C'est pas l'huile. Mais alors pourquoi cette huile et d'où venait-elle Vous le savez, c'est l'huile d'une lampe qui brûle devant Saint-Joseph, qui, qui est récoltée et, et qui est ainsi proposée pour l'application sur, sur les malades. Or cette tradition, frère André ne l'a pas inventée, elle vient de France, particulièrement de Tours. Un missionnaire qui était arrivé le visiter, fait visiter Frère André. Hein. Il venait du Mans, il arrivait à Montréal, et il lui a raconté que à Tours, il y avait une dévotion à la Sainte Face de Jésus, devant laquelle on avait placé une lampe qui brûle, une lampe à huile d'olive. On récoltait l'huile qui avait brûlé toute la journée devant la Sainte Face pour en faire des onctions pour les malades, et des guérisons étaient obtenues. Et cette image de la foi populaire a frappé euh, frère André et il va adapter cette euh, tradition avec une lampe à huile placée cette fois devant la statue de Saint-Joseph. Et si vous êtes venu chez nous à Saint-Joseph de Montrouge, vous savez que nous avons repris aussi cette tradition et que il y a une lampe à huile et que nous distribuons l'huile de Saint-Joseph, l'huile qui a brûlé devant Saint-Joseph, il suffit de la demander. Alors est-ce que ces guérisons sont euh, automatiques Est-ce que cette méthode, entre guillemets, est éprouvée Puisqu'il s'agit d'une histoire de foi, ça ne peut pas être automatique et il y a de nombreux échecs. Il y a de nombreux échecs et on a questionné le frère André en disant ⁇ Mais pourquoi, pourquoi ça ne marche pas sur moi Pourquoi ça ne marche pas sur mon frère ?⁇ Et frère André répondait ⁇ Il faut commencer par soigner l'âme ⁇ Vous venez pour des demandes, pour des guérisons corporelles ou, ou, ou psychologiques mais avez-vous la foi Croyez-vous que le bon Dieu veut faire quelque chose pour vous Est-ce que vous allez vous confesser Est-ce que vous communiez régulièrement Et il les envoyait vers un prêtre. Il dit Allez, allez au prêtre et revenez-moi ensuite. Et je crois que frère André mettait là en lumière l'essentiel du ministère de guérison. On ne peut pas aller à la fois vers l'amour et contre l'amour. Notre démarche doit être unifiée, tout entier nous allons vers l'amour, vers Dieu qui est amour et donc aller vers lui pour obtenir la guérison d'une plaie physique ou psychique, tout en méprisant les commandements de l'amour, tout en n'étant pas réconcilié avec l'amour, eh bien c'est tout simplement impossible. On ne peut pas faire une chose et son contraire dans le même mouvement. Donc en cette année où l'Église nous tourne vers Saint Joseph, et qui va être pour nous l'occasion de nous rappeler combien Saint Joseph agit dans le concret de nos vies, pour, pour le travail, pour la santé, pour la famille, Gardons à l'horizon ce, ce, ce mouvement dans lequel nous lance frère André. Il faut commencer par soigner l'âme. Êtes vous allé vous confesser? Est ce que vous communiez régulièrement? Où en est votre vie de prière? Il faut commencer par soigner l'âme. Et certainement l'action de grâce, la louange sont des éléments importants de ce soin quotidien que nous apportons à notre âme. Alors frères et sœurs, réjouissons nous Soyons dans l'action de grâce, parce qu'il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.